La recette, on va la faire avec le nouveau Monsieur Cuisine, mais vous pouvez également la faire avec l'ancien Monsieur Cuisine. Bonjour tout le monde, alors dans cette vidéo, on va faire la recette de la crème brûlée. C'est la recette page 154 de votre livre de recettes. On va mettre les graines d'une gousse de vanille. Ensuite, vous mettez la tige dans laquelle il n'y a plus de graines. 250 ml de lait. Vous mettez 5 minutes, 100 degrés, vitesse 1. Là, on voit une petite nouveauté de cette version, c'est que la température est indiquée ici. Donc là, par exemple, j'ai atteint 80 degrés. Donc ensuite, on verse. Donc là, on va laisser infuser, récupérer bien les graines. Et pendant ce temps-là, on va nettoyer le bol. Vous mettez 5 jaunes d'œufs, 70 g de sucre glace. On met 1 minute, température 0, vitesse 3. Donc ensuite, vous mettez le batteur. Dans la notice, il est simplement précisé de le mettre entre les lames. Donc soit vous pouvez le mettre là, ou soit vous pouvez le mettre comme ça. Vous mettez 250 ml de crème liquide. Et là, on met 30 secondes, vitesse 4. Ensuite, on rajoute le lait tiède sans la gousse de vanille. Donc, on laisse le batteur. Et on met 40 secondes, vitesse 3. On verse dans les ramequins. Pour information, les ramequins font 12,5 cm sur 3 cm. Ensuite, vous versez de l'eau. Normalement, l'eau doit atteindre les 3 quarts de la hauteur du ramequin. Nous, on va pratiquement remplir en totalité. Maintenant, on les laisse refroidir. Donc là, vous mettez une cuillère et demie environ de sucre roux. Ensuite, on va secouer pour répartir. Voilà, donc vous pouvez y aller parce que c'est vraiment très simple à faire et c'est vraiment très bon. Alors n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.